Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse qu'on puisse enfin se retrouver toutes et tous ensemble pour échanger un moment convivial, parce que ça fait pour certains un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et on avait pour coutume chaque année de faire une fête avant l'été, et là cette année les conditions sont un petit peu particulières. Donc voilà, ça sera sous forme de pique-nique partagé ce soir en extérieur, parce qu'on n'a pas pu avoir de ça. Ouais, les enfants sont les bienvenus au pique-nique. Donc voilà, les élections municipales viennent de s'achever dimanche. Donc on a vécu quand même 6 mois intenses. Donc, d'abord avec une campagne militante à laquelle nous sommes donnés. Et nous y avions défendu nos idées, notre programme et notre vision du monde. Donc nous avons avancé les idées révolutionnaires et expliqué que pour changer le monde, il faut changer de système politique, économique et social. Il ne suffit pas juste de changer le personnel politique. Donc nous avons expliqué, pris le temps d'échanger, de débattre durant toute cette campagne et de faire avancer la conscience des gens. Donc pour nous, il ne s'agissait pas de dire que les élections allaient changer la vie, mais pas non plus de dire que les élections ne servent à rien. Donc nous avons voulu mêler l'idée que si la tribune que représente une élection est essentielle pour faire passer notre message, le deuxième tour est aussi un moment important pour éventuellement virer la droite, et c'est ce qui s'est passé à Poitiers. Bravo! Ouais. Ouais. Au premier tour, alors que nous entrions dans une période nouvelle, compliquée, instable, à cause du Covid-19, nous réalisons 3% des voix. Donc 3% des Poitevines et des Poitevins qui se prononcent, alors notamment pour les bus gratuits, pour la liberté de circulation et d'installation pour tous, la régularisation de tous les sans-papiers, pour la sortie du nucléaire, pour les luttes féministes, et aussi pour la révocation des élus et la proportionnelle intégrale. Donc 3% d'électrices et d'électeurs se positionnant sur des idées anticapitalistes et pour un changement révolutionnaire de la société, s'appuyant sur la mobilisation et l'auto-organisation populaire, et tout en rejetant les institutions bourgeoises. Donc dans ce contexte, 3%, donc qui représente 457 voix, c'est un résultat qui mérite d'être salué. Et nous pouvons être fiers de nous, car au-delà même de ce résultat, nous avons su imposer les thèmes des débats lors de ces municipales autour des questions sociales, écologiques, internationalistes, solidaires et féministes. Donc je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont permis que cette liste et que toutes ces idées puissent exister durant ces municipales. Donc remercier déjà toutes les personnes qui ont bien voulu être candidats et candidates sur les listes Poitiers anticapitalistes. Et toutes les personnes qui ont fait campagne, qui nous ont aidés à faire avancer toutes ces idées. Remercier toutes les personnes qui ont organisé les réunions, les débats, qui ont aidé à préparer toutes les interventions, que ce soit débat télé, radio, aussi les interventions lors des réunions publiques. Donc c'était du boulot, et encore merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près et de loin à tout ça. Et on peut aussi remercier Thierry et Françoise qui ont géré toute la partie financière. Ouais. Alors même si ce n'était pas une grosse somme par rapport à d'autres listes, c'était quand même du boulot. Donc oui. Merci à vous de vous être occupés de cette tâche. 4500. Donc nous avons ensuite su faire la démonstration que la politique, c'est pas seulement dans les élections. À peine le premier tour terminé, nous avons continué de nous réunir, alors par visioconférence, et de débattre et d'élaborer. Nous avons décidé de lutter aussi, alors qu'on était en plein confinement. C'était le cas notamment le 1er mai. Donc à notre initiative, des manifestations se sont tenues dans les rues en respectant la limite d'un kilomètre, mais quasiment dans chaque quartier, des rassemblements et des manifestations ont eu lieu. Nous avons ensuite participé aux manifestations de soutien aux migrants et aux sans-papiers. Et enfin, samedi dernier, nous étions dans la rue en solidarité avec le peuple palestinien, qui est victime des politiques coloniales de l'État d'Israël en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain. Mais on peut dire que le point d'orgue dans cet entre-deux tours est sans doute à regarder du côté des mobilisations contre les violences policières, où là encore nous étions à l'initiative d'une des plus belles et grandes manifestations antiracistes s'étant déroulée à Poitiers. Donc c'était le samedi 13 juin. Et puis dans la foulée, deux autres mobilisations ont eu lieu toujours sur ce thème-là, et un collectif est en train de se créer. Pour nous, l'intérêt d'un groupe militant, c'est sa capacité à agir, à faire bouger les lignes, mais aussi à infuser des idées.
Donc après, il ne faut pas se le cacher, il reste quand même du chemin à faire pour construire une organisation anticapitaliste de masse. Mais voilà, c'est le fait de se retrouver, c'est déjà un début. Et on peut dire qu'on existe dans le paysage politique poitevin. Donc le deuxième tour des municipales a eu lieu dimanche. Donc comme le rappelle notre communiqué, nous souhaitons une bonne retraite à Alain Claës. Nous sommes là encore heureuses et heureux du résultat de ce vote. Après, nous n'avons pas d'illusion car nous ne sommes pas anticapitalistes pour rien. Mais nous pensons que la victoire de Poitiers Collectif est une victoire politique pour notre camp, ainsi que la défaite de Claës et de Brottier. Donc cette victoire ne restera pas moins éphémère si nous ne sommes pas en capacité d'enclencher des mobilisations nécessaires pour imposer nos revendications. Poitiers Collectif a signé une tribune avec nous, et dans celle-ci, ils affirment que plus personne ne doit dormir à la rue, que la mairie doit s'opposer aux OQTF et qu'il faut aller vers les bus gratuits. Donc on pense que notre rôle aussi, ce sera de leur rappeler ces engagements tout au long du mandat. Mais ce soir, nous n'avons cependant pas à bouder notre plaisir d'avoir envoyé Claës et sa clique à la retraite. Et si on veut contempler cela, il y a le premier conseil municipal qui aura lieu ce vendredi à 18h au TAP. Donc si vous voulez voir le PS dans l'opposition, c'est ouvert au public. Donc ce soir, nous vous proposons un temps de prise de parole où chacun pourra s'exprimer. Et puis un moment convivial, donc autour d'un repas partagé. Et nous considérons que sans les anticapitalistes dans cette élection, les choses n'auraient pas eu la même saveur, on va dire. Et pour que les changements soient plus grands et plus porteurs de main, il faudra que nous soyons, nous, plus grands et que nous fassions rêver, nous aussi, à notre tour. Et c'est la tâche qui nous est montrée comme horizon. Et concluons avec cette citation de Che Guevara. Soyons réalistes, demandons l'impossible. L'impossible. Ouais.